Ici à Medjugorje, je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Gabriel. Père, tu viens d'où? Je viens du Cameroun, mais je suis à Rome. Tu es à Rome. Et première fois pour toi ici à Medjugorje? Non, c'est la deuxième fois. Pourquoi tu es revenu? Je viens parce que j'ai été sollicité par un groupe. Mm-hmm. Un groupe, car vous savez, les groupes ont besoin d'être encadrés spirituellement. Mm-hmm. Donc, leur dévotion à Marie, qu'ils viennent m'exprimer ici, doit être encadré par des prêtres. Ouais. Et dans le sens de leur expliquer le vrai sens de la dévotion mariale. Mm-hmm. Et tu as toujours eu toi-même la dévotion mariale? Tout prêtre a une dévotion mariale. Mm-hmm. On ne peut pas être prêtre parce que Marie est la mère de tous les prêtres. Marie est Regina Apostolorum, donc reine des apôtres. Donc, incroyable. Oui. Jean, Jésus sous la croix, Jésus avait confié l'Église, mm-hmm. donc avait confié les apôtres, l'apôtre Jean à sa mère Marie. Oui. Comme pour dire que Jean devait mûrir et croître entre les bras de Marie. Donc, c'est de cela que nous tirons notre attachement à la Vierge Marie. Et ta vocation de prêtre, il y a une connexion avec la Vierge? Tout à fait. Je me rappelle, quand j'étais petit, ma maman me conduisait toujours à la récitation du rosaire, à l'église. Uh-huh. Et petit à petit, le goût de la dévotion mariale m'est venu. Ouais. Et puis, une fois entré au séminaire, tous les séminaires chez nous au Cameroun ont pour sainte patron la Vierge Marie. En fait, tous les grands séminaires dans mm-hmm. lesquels j'ai étudié, le grand séminaire de Thiel, le grand séminaire de Colbison, mm-hmm. Du Cameroun. Ouais. Donc, j'ai toujours ressenti Marie agir dans ma vie et mon existence. Oui. Tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas cette intervention de la Vierge dans notre vie? Comment elle agit dans Marie, notre vie? Marie est la mère de Dieu. Et donc, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut passer par la maman. Mm-hmm. Vous savez que lorsque on passe par une maman, la maman, c'est une certaine autorité sur ses enfants, au point que la maman ne peut pas dire, le fils ne peut pas dire le contraire de ce que lui demande sa maman. Donc nous autres, nous demandons, nous intercédons, nous demandons l'intercession de la Vierge Marie lorsque nous voulons que Dieu puisse exaucer nos prières. Et qu'est-ce que dit aux gens, aux protestants qui disent mais tu peux parler directement à Jésus? Pourquoi un intermédiaire? Marie est l'intermédiaire parce que Jésus lui-même, qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu, nous a confié Marie lorsqu'il était en train de mourir. Donc on ne peut donc pas s'en passer des dernières recommandations du Fils de Dieu. Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc c'est cela. Exactement. Oui. Et comment tu as reçu ta vocation comme prêtre? Qu'est-ce que dirais-tu aux gens qui discernent? Alors, j'ai reçu ma vocation comme prêtre en côtoyant le milieu ecclésial. Mm-hmm. Donc, en allant à l'église chaque jour. Évidemment, les parents qui ne conduisent pas leurs enfants à l'église, les enfants ne peuvent pas, la vocation ne naît pas du néant. Mm-hmm. Donc, c'est l'habitude de l'écoute de la parole de Dieu, l'habitude de côtoyer le milieu ecclésial qui m'a inspiré, voyant comment les prêtres se comportent et aussi ressentant en moi-même cette vocation d'appel à servir le Christ pour le salut de l'humanité. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là, c'est dans cet ordre-là que j'ai été attiré à ce que je fais, donc sacerdoce, et à servir pour le Christ. Et tu sais, je crois beaucoup, je connais beaucoup des hommes, peut-être ils veulent être prêtres, mais le sacrifice ne va pas une femme. Tu te sens seul quelquefois? Non, alors, l'humanité est une chose, mais nous demandons à Dieu de nous donner la grâce, c'est-à-dire la grâce de pouvoir vivre les vœux que nous avons choisis le jour de notre ordination diaconale. Mm-hmm. Et c'est fort de cela que nous résistons et que nous vivons simplement et normalement. Exactement. Oui. Ah oui. Et c'est toi, joyeux. Je vois que tu as une relation personnelle avec le Christ. Beaucoup de gens cherchent cette
cette allégria, comment on dit en français, cette joie, cette paix. Comment on peut l'avoir, cette relation personnelle? Alors, on peut avoir cette relation personnelle en ayant d'abord confiance en Dieu. Mm-hmm. Parce que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Mm-hmm. Et en s'exerçant chaque jour dans la prière, mm-hmm. hein, l'exercice dans la prière nous rapproche de Dieu et nous rapproche de Dieu. Donc l'intimité avec Dieu se développe et puis ça grandit. Et c'est comme ça. Et pour toi, la prière, c'est une conversation personnelle? La prière, effectivement, est une conversation personnelle. La prière, comme le disait certains pères de l'Église que j'étudie, la prière, c'est l'arme. C'est l'arme des hérésies, c'est l'arme contre les nouvelles idéologies. Alors, et la prière, comme le disait le Christ lui-même, lorsqu'ils agressaient à ses disciples qui étaient restés sous la montagne, il leur disait « Priez pour ne pas tomber en tentation ». Donc la prière, c'est l'arme contre le diable. La prière, c'est vraiment tout ce que le chrétien doit faire pour se rapprocher de Dieu et pour éloigner de lui le diable. Exactement. Et tu sais, Padre Pio l'a dit, le rosaire, le chapelet, c'est l'arme de notre temps pendant le combat spirituel. Pourquoi le rosaire est tant important? Parce que le rosaire, c'est la prière à Marie. Et que Marie, c'est la mère de Dieu. Et que demandant une chose à Dieu, en passant par sa mère, il n'est pas de doute que nous aurons cette chose-là. Exactement. Oui. Ta maman. Oui. Et ici, à Medjugorje, la confession est tellement importante. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de se confesser? Il y a tellement de gens maintenant. Il faut se confesser. Il faut se confesser dans la vie parce que ce n'est pas le prêtre qui vous confesse. Qui vous confesse? Je fais cette redondance pour vous montrer que le prêtre qui vous confesse est un instrument que Dieu utilise pour vous conduire au salut, pour sauver votre âme. Mm-hmm. Et tu as fait l'expérience, si tu vis dans l'intention de ta volonté soit faite dans ma vie, que tu vis plus paisiblement, plus en joie. Bien évidemment, ce n'est pas notre volonté que nous devons rechercher dans tout ce que nous faisons, c'est plutôt la volonté de Dieu. Mm-hmm. Et donc, lorsque nous laissons Dieu agir dans notre existence, il n'y a pas de doute. Pas de doute? Oui, il n'y a pas de doute. Et pour toi ici, qu'est-ce qu'il y a tellement spécial à Medjugorje pour toi, comme prêtre? Non, c'est la foi du peuple de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit là comment le peuple de Dieu croit, on se dit le peuple de Dieu s'intéresse à quelque chose. Donc la foi du peuple de Dieu doit être encadrée. Donc le peuple de Dieu, d'une certaine façon, est quand même proche, je veux dire, de la vérité. Peut être proche de la vérité. D'une certaine façon, on ne doit pas l'abandonner tout seul. Mm-hmm. Et tu as un endroit ici qui te plaît beaucoup, où tu te sens le plus à l'aise? Non, en fait, c'est l'église. C'est l'église. Je n'ai pas... C'est l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Oui. C'est l'église. Je n'ai pas... Oui. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? Alors, il faut venir à Medjugorje, en fait, dans la perspective du pèlerinage. Parce que tout chrétien doit pouvoir faire un pèlerinage. Faire un pèlerinage pour se rapprocher de Dieu. Et Medjugorje peut être un lieu d'expression de sa foi, dans ce sens-là. Et pour toi, dans la Bible, tu as une phrase qui t'a touché profondément? Dans la? La Bible? Une non, phrase? Une je phrase peux que tu... Alors, c'est quoi? La phrase qui m'a touché, c'est la phrase la plus brève de la Bible. C'est? Et Jésus pleura. Comment? Et Jésus pleura. Wow. Et Jésus pleura. Pourquoi cela? Jésus pleure. Pourquoi? Parce que parfois, il voudrait nous racheter. Il veut racheter l'humanité, mais l'homme. Mais Jésus pleura d'après la Bible, en fait, d'après le contexte de ces versets. C'est dans un contexte bien précis. C'est dans le contexte des lamentations sur Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jésus pleure parce que nous n'accomplissons pas
nous n'accomplissons pas notre volonté, nous n'accomplissons pas sa volonté. Il voudrait que nous puissions croire dans ce que nous faisons. Et dans ce sens, c'est la phrase qui m'a touché. Et cette phrase-là m'incite toujours à progresser dans ma vie de foi pour ne plus faire pleurer Jésus. Et qu'est-ce que tu veux faire mieux dans ce monde comme prêtre? Qu'est-ce qui t'a... Je veux sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Wow, c'est incroyable. À la fin, tu peux donner une bénédiction aux gens qui ont... Le Seigneur soit avec. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, Père.